c'est le CRESAS, qui est un centre de recherche parisien, qui a fondé l'approche interactive dans un travail de collaboration avec des enseignants et des crèches. Alors, bah, peut-être brièvement, l'approche interactive, c'est vraiment essayer de mettre au cœur des temps d'apprentissage les interactions, les échanges entre les enfants, et de les utiliser au maximum pour amener chaque enfant le plus loin possible de ses possibilités. C'est-à-dire que l'enseignant, il va un peu descendre de l'estrade, il ne va pas transmettre ses connaissances. Il va, dans un premier temps, imaginer des situations ouvertes, de défis, de recherches, dans lesquelles les enfants vont devoir à plusieurs chercher des solutions, envisager des pistes, proposer des stratégies. Les enfants vont avoir du temps pour mener ces recherches-là. Ils vont avoir besoin des autres. Ça, c'est vraiment un essentiel de l'approche interactive. Les interactions sont au cœur de toutes les situations qui sont mises en œuvre dans les classes. L'enseignant, à ce moment-là, il n'est pas parti ailleurs, c'est-à-dire qu'il reste à la disposition des enfants. Il observe ce qui se passe, il questionne, il va chercher la parole de l'enfant qui n'a pas été entendue par le groupe. Othman, qui avait sa méthode, et puis Nesrine faisait autre chose, oui. Et il lui dit « mais non, c'est pas comme ça ». Mais je dis « non, Nesrine, elle procède autrement, mais finalement, vous êtes arrivés à la même solution ». Et moi, je constate surtout que les enfants n'ont plus peur d'essayer, d'échanger. Et voilà, moi, je suis là simplement pour relancer le débat, reposer la question qu'il faut. C'est toujours un peu compliqué de ne pas trop parler. Voilà, c'est quelque chose aussi qui est très amusant, qui redonne vraiment un plaisir fou dans la classe. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de sérénité. Et alors, dans ces moments-là aussi de recherche des enfants, à certains moments, on va filmer les enfants pendant les temps de travail. Alors à plusieurs, avec des enseignants ou avec l'accompagnatrice, on va regarder les vidéos qui ont été filmées et ces extraits vidéo-là vont vraiment être l'objet d'une discussion pédagogique très pointue. Voilà, l'image, cette... Tu vois plein de choses avec un écran. Ah oui, tout à fait. Ah. Et en mais fait, ils sont, dans la première vidéo où on s'est dit en fait il n'y a pas d'interaction, bah, quand tu fais ce jeu-là de l'arrêt sur image, bah, ils sont plongés tout le temps dans ce qui se passe en face. Mais c'est la première chose que moi j'ai découvert, c'est que finalement, quand tu fais des arrêts comme ça, tu vois ceux qui sont les plus effacés, les moins participatifs en général. Mm. La première année, tu voyais les yeux de ce gamin qui partait dans tous les sens et je me suis dit, ah oui. Cet enfant-là, on avait pensé que c'était un enfant qui relevait du spécialisé depuis la première maternelle. Il ne disait jamais rien, il ne bougeait pas. Et un jour, les enfants ont déposé leurs lettres et il y avait un problème. Et les enfants ont dit, bah, ça ne va pas. Et je leur dis, demandez un peu. Il sait peut-être, lui, la solution. Ils nous ont regardés en levant les yeux au ciel. Je dis, si, demandez. On dit, bah, tu as la solution. Et le petit, sans rien dire, a bougé les cartes qui étaient mal mises, a remis les cartes de manière correcte. Et tout le monde lui a dit, mais t'es un champion. Et le petit a tout de suite eu une posture complètement différente. Et de ce jour-là, les enfants l'ont mieux considéré. Et lui s'est ouvert complètement. Et je me suis rendu compte, moi, que de manière traditionnelle, ben oui, il présentait entre guillemets des difficultés, mais finalement, il n'en avait peut-être pas. C'est peut-être pas la bonne méthode qu'on utilisait avec lui. On le voit au quotidien et parfois c'est le constat qu'on tire, que l'école, plutôt que de faire apprendre les enfants, parfois elle les empêche de réfléchir. C'est-à-dire qu'elle les empêche de se poser les questions qui sont les questions des enfants à leur âge, avec les questions de leur vie de ce moment-là. Et donc ce schéma de pensée qui est leur, ces stratégies intellectuelles, elles sont parfois vraiment invalidées par l'école, elles vont être cassées par l'école, par l'aspect fermé d'activité, par des attentes qui sont trop strictes de la part des enseignants. Strictes pas dans le sens d'exigence, mais dans le sens fermeture de méthode ou de stratégie. Ici, les tâches face auxquelles on met les enfants, elles sont toujours complexes. Il n'y a pas de solution toute trouvée, on ne va jamais leur donner la réponse. Et les enfants, ils vont avoir besoin de temps pour démarrer. Mais si on a réfléchi aux conditions, si on leur a laissé l'occasion d'essayer de se tromper, de leur manifester notre confiance au moment où ils se trompent, en général, ils démarrent tous. On leur a proposé le jeu en partant du principe, comme les autres années, qu'ils allaient découvrir eux-mêmes la règle de jeu. On t'avait montré le jeu, souviens-toi, tu nous as regardé en disant, mais elles sont... C'était impossible. Voilà. Mario pensait que c'était impossible. Ben... Et nous, on a dit, tu vas voir, chez nous, ça n'existe pas. Donc, on a proposé le jeu. Et le gamin a fait 12. Ah bah tiens, quand je mets 12 en ligne, c'est 12.
Mais si je mets 12 en carré, ça fait quand même 12. Si je mets les jetons de travers, ça fait toujours 12. Ça n'existe pas, les enfants qui ne veulent pas apprendre. Ils veulent tous apprendre. Mais ils ne veulent pas forcément apprendre comme on voudrait qu'ils le fassent. Mais ça, ce n'est pas grave. Après, ils trouvent tous leur chemin. Quand on leur laisse l'occasion de l'explorer, de le discuter, de le vivre à plusieurs, ils ont tous envie d'avancer. Même s'ils sont en difficulté, ils ont envie d'avancer. Et souvent, quand on a pris le temps de les observer, nous-mêmes, on est devenus un meilleur enseignant. Et donc, l'approche interactive, c'est vraiment une attitude générale qui a à voir de confiance, de respect de l'autre. Et aussi, on est fiers d'eux. On est très, très fiers d'eux. Parce que on ne s'imagine pas, et beaucoup de gens, je pense, ne s'imaginent pas que des enfants de si petit âge savent faire des choses pareilles, quoi. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent qu'un enfant de 3 ans, maternelle, 3-4 ans, ils font du coloriage, ils n'apprennent rien, alors que pas du tout, ils ont des ressources incroyables. Si on demande à nos enseignants avec lesquels on travaille de faire ce pari sur les enfants, nous, en formation initiale des enseignants, on doit faire le pari aussi avec nos étudiants. Et je pense qu'on accueille chaque année des étudiants dont on ne donnerait pas cher en début de parcours et qui se révèlent être de super instits dans les classes, qui font un boulot vraiment top au quotidien avec les enfants. Si on veut que quelque chose bouge à la petite école, il faut faire bouger tout en même temps, parce que c'est un système. Et si on continue d'alimenter les écoles maternelles avec des jeunes enseignants qui ne sont pas suffisamment formés, qui pour se sécuriser vont faire que des choses traditionnelles et fermées, ces futurs enseignants-là, ils vont être en grande difficulté quand ils vont arriver. Ben, je veux dire, ils doivent être créatifs, ils doivent être prêts à se questionner, à changer, à évoluer, parce qu'ils ne connaissent pas leurs élèves de demain. Et donc, je pense que si on doit mettre quelque chose dans leur valise en sortant des hautes écoles, c'est allez-y, il y a plein de choses possibles, soyez ambitieux, faites confiance à vos élèves. Et puis, soyez courageux, c'est un travail exigeant. Ça, ils doivent le comprendre en sortant d'ici. Sinon, ils vont être super déçus. S'ils attendaient juste les vacances, c'est mal barré, je crois. Quand on veut changer des activités qui ne fonctionnent pas ou qui n'attirent pas l'attention des enfants, il faut essayer de se remettre à leur niveau et essayer de voir le jeu ou l'activité de leur point de vue. C'est vraiment voir le monde à travers des yeux des enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. La façon dont on procède dans le cadre de la formation initiale, ben c'est d'abord de présenter l'approche aux étudiants, de soulever toutes les questions, d'essayer d'éclaircir toutes les zones d'ombre dans leur tête, de percevoir déjà les choses pour lesquelles elles se disent ben « moi je suis pas trop d'accord » ou « je sais pas comment je vais faire ». Et puis très très vite, on essaye de les mettre en situation, d'imaginer des activités à mener de cette manière-là. Et on leur demande d'essayer d'envisager des scénarios pédagogiques, méthodologiques qui vont favoriser les interactions, les échanges entre les enfants. Les échanges entre les enfants sont souvent surprenants parce qu'ils s'aident, ils s'encouragent, ils se félicitent. Parfois, ce n'est pas en paroles, c'est en gestes. Et donc ça, c'est des échanges qui sont juste magiques à observer. Une fois qu'elles sont en stage, on leur demande de mettre en œuvre ces activités et de les filmer. Et donc là, elles vont collaborer à plusieurs étudiantes qui sont en stage dans la même école. Et elles vont s'épauler pour filmer les élèves de l'une, les élèves de l'autre. Et puis, elles vont rencontrer les accompagnatrices pour aller chercher le moment intéressant, la question qui est riche à creuser ou la question qui vraiment interpelle les élèves. Et puis, en finale d'année, elles vont présenter ces extraits analysés au reste de leur classe et on fait intervenir alors des personnes ressources qui sont des enseignants avec qui on travaille, toute l'équipe du projet maternel. On diplôme des étudiants qui ont quand même été sensibilisés à l'approche interactive, qui ont déjà un tout petit peu mis le pied dans l'eau. Quand ils sont parfois engagés sur la ville de Liège, ils peuvent venir re-suivre les formations chez nous. Et donc, on les retrouve en formation continuée. Et parfois, ils font partie de ceux qui mettent sur leur questionnaire d'évaluation « on veut être accompagné à l'école ». Et donc, voilà, c'est intéressant parce que justement, c'est une espèce de systémique comme ça. Et c'est ça l'enjeu de ce dispositif, c'est d'inonder quelque part le marché scolaire de nos écoles communales avec cette approche. Pour aller d'un point A à un point B, il y a quand même 1000 chemins, si je ne me trompe pas. Et donc l'école, parfois, elle voudrait qu'il y ait une espèce de grande voie unique. Et donc elle fait qu'il y a un tas d'enfants qui sont sur le côté de la route, là, un peu perdus. Donc il faut essayer d'éviter les autoroutes, il faut laisser tous les enfants prendre leur chemin de campagne. C'est un métier formidable parce que je trouve que quand l'enfant a compris
ce qu'on lui apprend. Ses yeux s'émerveillent. Les émotions qui nous font vivre en classe, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est magnifique. C'est ça que je veux faire toute ma vie, donc c'est un métier que j'aime plus que tout.